Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube et production de GMS. Je vous apporte pour 9 applications qui sont utiles dans la vie quotidienne nous et qui sont très intéressantes pour connaître. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la page là si vous faites ça et activer la cloche de notification pour ne pas rater l'autre vidéo parce que dans la chaîne là, nous publions une pile de vidéos instructives et explicatives. On a commencé avec la première application créée, Parfait sans route. Parfait sans route, c'est une application qui permet de gérer Internet. Tout. Parfois, on peut ouvrir Internet pour faire une recherche ou l'autre bagaille quelconque, mais on ne peut pas recevoir aucun message WhatsApp ou bien quel que soit l'autre réseau. Donc, il permet de bloquer accès à Internet pour l'application ouvrée. Pendant la vidéo compression, c'est une application qui permet de transformer une vidéo qui était trop lourde en taille qui est plus légère. Les conseils pour occuper moins d'espace dans le téléphone. Troisième application, c'est Cam Scanner. C'est une application qui permet de transformer un objet physique en fichier numérique. Il est capable d'une feuille qui gagne note ou bien de voir, il est capable d'une photo ou de développer déjà. Il est capable de tout un dessin ou de faire ou bien une pièce d'identité. Quatrième application, c'est Photomath. Photomath, c'est une application qui permet de résoudre des exercices mathématiques bien facile. Ou qu'à seulement faire photo exercice là ou bien si caméra pas bon, qu'à juste taper, écrire les mots mat là et puis la bas ou réponse là à toute démarche. Son bon outil pour si ou t'as va coller nos numéros mathématiques. Cinquième application, c'est Shazam. C'est une application qui permet de jouer comment une musique relé. Si vous attendez une musique et puis vous avez vu qu'on est comment relé, vous avez juste proche téléphone ou tout pour une musique là, la scanner et puis la bas petite musique là. Ou qu'à attendre une musique dans le téléphone même, ou qu'à faire le scanner musique là et puis là bas résultat. Sixième application, c'est Réveil Shake It. C'est une application pour les gens qui dorment dur. Il est pas facile pour retirer. Avant pour retirer, faut que soit crier bien fort pendant plusieurs secondes, ou bien souquer, ou bien taper quand un peu de fois. Les mêmes bas météo à toute actualité, grand matin l'offre de retirer à l'amener. Septième application, c'est Trello. C'est une application qui permet d'organiser pour gérer. Que ce soit ou seul ou bien avec plusieurs monde en même temps. Ou ap ka sauvegarder projet ou sur compte Google ou pour sou ta va en déplacement ou bien tel ou perdu. Li permet de faire une liste de ça ou bien pour faire et ou ka mettre rappel pour si ou ta va oublier. L'autre application c'est IPA Keyboard. Son application clavier pour mathématiques. Si ou son professeur ou envie voye de voir sur WhatsApp ou bien n'importe l'autre et puis ou ta remé get tout si mathématiques, physique, chimie, tankou exposant yo, valence yo, sin theta, lambda, gamma, racine carrée, intégration, etc. Et bien clavier ça fait pour. Dernière application c'est Status Saver. C'est une application qui permet tout télécharger statut yon moun mette sur WhatsApp, soit vidéo ou bien photo ou pas. Pas besoin de demander mon nom pour le voir pour. C'est sur serveur qui existait malheureusement seulement pour Android, mais actuellement il est redéveloppé pour iOS. Mais il y a l'autre méthode pour sauvegarder statut dans iPhone. Pour finir, il y a trois applications bonus que je recommande nous qui c'est Botlid, Mif et Épaule Amicale. Botlid là, c'est une application qui permet de faire nouveaux amis dans tout le monde. Là. Comment il fonctionne? On peut écrire une petite lettre. Dans la lettre, on peut écrire souillé, qui se remet, etc. Et puis on peut mettre le nom bouteille. Et puis l'autre fini, on voit la bouteille là dans la main, la bouteille là qui tombe. Dans n'importe pays, si lui vient dans un pays qui pas parler même langue avec ou bien monde n'a pas même caractère, il ca choisir revoir bouteille là dans l'autre pays jusqu'à ce qu'on joue un monde qui accepte. L'important pour qu'on parle aussi anglais parce que plus fort monde parler anglais, mais on veut quelque monde qui parle français tout, surtout dans pays africain. Sur application tellement aimé, m'invite au télécharger ou pas pour vrai. L'autre application c'est Mif, il permet de faire nouveaux amis dans mode là, même avec Botlin. On juste poster quelques informations de vous-même, quelques photos. Et puis on publier et puis si quelqu'un qui en veut pas la on a juste inbox et puis on a commencé à parler jusqu'à ce que nous vienne jamais. Et dernière application c'est Épaule Amicale. Épaule Amicale même j'en dans des là sont application qui est là pour aider lorsqu'on seul ou bien l'on pas gain monde qui pour conseiller. A ben ou ka monter sur application ça on demande quelques conseils et ou ka parler avec quelqu'un en privé bot ou pas qu'à poster photo ou pas qu'à poster bon nom parce que son application anonyme mais au cas où on ne sait pas la en monde et puis nous échanger numéro ben nous venons amis sur l'autre réseau social. C'est là la vidéo a fini, merci parce que tu as regardé. Moi invite à abonner à la chaîne là si vous avez fait ça, activer cloche là pour pas rater l'autre vidéo. À bientôt.